Monsieur le ministre, c'est quoi ce show des bonnes nouvelles de dire que les salaires réels ont augmenté en Belgique, qu'il n'y a pas de problème de pouvoir d'achat pour la classe travailleuse? Eh bien, que bubbelez-vous, les ministres? Comment, dat zou toch niet met wat de mensen meemaken? Ik weet dat die lonen hoog zijn, mijn minister, we willen 10.000 euro per maand, maar comment, kon toch nog leven met de mensen meeleven? Allee, hoeveel betaal je voor een pakje friet? 5 euro voor een pakje friet. 7, 8 euro voor een durum. Kom aan, dat is 1,8 euro voor de diesel voor de naft. Maar kom aan, dat wordt gewoon onbetaalbaar. En jullie komen eraf met de show van wow, de cijfers zijn goed, de lonen stijgen. En dan heb ik gedacht met het PvdA, maar waar ligt dat verschil tussen die cijfers van die regering en de realiteit dat de mensen leven? En wij dus gaan studeren. En wat blijkt meer de minister? Dat is van, als je echt de 3-4 laatste jaren neemt, dus van Vivaldi, dat die reële lonen helemaal niet gestegen zijn, maar dat die reële lonen verminderd zijn. 3.000 euro minder reële lonen. Die werkende klasse werkt, en die krijgen 3.000 euro minder. Ik wil me reprocher que l'indexation soit calculée sur la base de l'indice santé et non sur la base de l'indice des prix à la consommation. Mais je vous invite à relire les textes, hein. Ce n'est pas de ma responsabilité, c'est comme ça depuis près de 30 ans. Enfin, vous me reprochez un décalage dans le temps entre l'augmentation des prix et l'indexation des salaires. Mais monsieur Edebo, le timing des indexations, le timing des différentes indexations, il n'est pas déterminé par le ministre de l'économie ou par le ministre du travail, il est déterminé par les partenaires sociaux. Alors, c'est très intéressant, parce qu'en fait, vous avez expliqué les mécanismes qui confirment effectivement nos chiffres que vous n'avez pas pu rejeter, c'est que le salaire réel et pas le revenu disponible, hein, parce que là, les études sont sur le revenu disponible. Moi, je vous parle des salaires réels de la classe travailleuse, et en fait, là, ils ont diminué. Vous avez bien expliqué les mécanismes. Je vous rappellerai juste que l'index santé, évidemment, est un index santé qui a été voté par le PS à l'époque. Bon, vous n'étiez pas vous là, mais c'est Elie Di Rupo et compagnie. Donc ça, c'est clair. Mais deuxièmement, que le blocage salarial, c'est-à-dire justement l'impossibilité des partenaires sociaux de négocier des augmentations, est à la base de pourquoi aujourd'hui on perd 3 000. Exactement, et que l'indexation elle-même n'empêche pas de perdre du pouvoir d'achat pour les salariés du pays. Et donc personne ne s'est rejeté nos chiffres. 3 000 euros, je ne compare pas la dernière année, je prends le début de la Vivaldi, 4e trimestre 2020 à aujourd'hui. Oui, on a perdu 3 000 euros de salaire réel, et c'est ça que les travailleurs vivent, monsieur le ministre. C'est pour ça qu'ils ne vous croient pas quand vous dites que tout va bien, madame la marquise.